Non. Non, pas. Non, non, c'est pas. Heureux, non. Non. On peut pas dire qu'on est heureux, en fait. On peut vraiment jamais savoir si on est heureux. Est-ce que vous pensez que vous êtes heureux? Question piège. Alors, je pense pas qu'on peut répondre à ça, genre par oui ou par non. Ouais. C'est plus large que ça. Comment ça? Genre, pas clairement dire oui, je suis heureux ou non. Ouais. Je pense pas. Genre, ça dépendrait plus de moments. Oui, clairement, c'est clairement par période. Ouais. Ouais. Et du coup, là, est-ce que maintenant, vous êtes heureux? Vous pensez? Là, maintenant. Genre, ce moment-là, ou genre la journée, ou... Là, peu maintenant, importe. Mec, c'est beau, c'est cool. Ouais. J'avoue, là, maintenant, on est bien. Ça va, là, oui. Alors, oui. Ouais, une petite question. Vous allez me demander si je suis heureuse. Est-ce que tu es heureuse? Tout à fait, oui. Absolument. Un petit peu moins depuis que tu mets ce téléphone. Pardon, désolé. Tu es dans le champ là tu en plus. Ruines le plan. Merde. Enfin, merde. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Je suis heureuse. Un peu moins aujourd'hui cependant, car je passe une mauvaise journée, car je suis très fatiguée et que j'ai des responsabilités que je ne souhaite pas. Putain, c'est quoi le verbe? Merci beaucoup, maintenant la météo. Mais hormis ces petits détails, je suis pimpante aujourd'hui. Ça ne se voit pas, mais je souris beaucoup sous mon masque. Oh bah oui. Oui, moi je. Ouais, carrément. Ouais. Oui. Genre. C'est une belle question, dis donc. C'est une belle question, c'est bon ça. Ça change des questions. C'est triste. Ah, non, c'est oui, bien oui, comme oui. Question. Oui. Oui, carrément. Malgré le contexte compliqué, on trouve toujours un truc qui nous rend heureux. Le soleil, les collègues, ouais. Qu'on aime bien. Ouais. La vie, même quoi. Pas, mais bon, non, je rigole. Non, non, c'est pas vrai. Mais, hein, mais oui, globalement, oui. Oui, alors. Oui. Enfin, oui et non. Oui, ouais, ça dépend. Ça dépend des jours. Je dirais que ça dépend de l'humeur. Oui, je vis beaucoup avec la météo. Si vraiment il y a du soleil, je suis heureuse. S'il n'y en a pas, non. Bah, je suis pas malheureuse, donc je pense être heureuse. Ouais. Moi, j'ai juste tendance à dire le moment. Mais je le cache. Bah, moi, je dirais que ça dépend des événements, de ce qui se passe. Mais globalement, j'essaye. J'essaye vraiment. Thank you.
comment tu t'appelles? Balthazar Gottschalk. Ok, du coup on avait une question pour toi. Est-ce que t'es heureux? Oui. Oui, très. Je développe? Ouais, parce que... Bon, après, la notion de bonheur est à redéfinir. Il y a plein de paramètres, ou plutôt il n'y en a qu'un des fois. Mais j'aimerais dire que j'ai des hauts et des bas, mais j'ai vraiment des moments de plaisir intense. Alors je sais pas si on peut dire que c'est le bonheur ou pas, mais j'ai des moments où je profite, et notamment en faisant du skate par exemple, où je sais pas si pour ça vous m'avez interviewé, mais quand je fais du skate, j'ai le sentiment d'être heureux. Quand je fais mes études me rendent heureux. Alors les bruits sont très chiants, je continue. Oui, c'est loin. Mes études me rendent vraiment heureux. Dessiner me rend heureux. Et je sais pas si on peut dire que c'est être heureux, trouver son bonheur dans les actions qu'on fait. Je sais pas si c'est ça vraiment, mais en tout cas c'est le sentiment que ça me donne. Et je pourrais dire que j'ai de la chance d'ailleurs de trouver mon bonheur dans ce genre de choses quotidiennes, parce que certains n'ont pas cette chance. Je sais pas si c'est une chance, je sais pas si c'est moi qui ai développé ça, mais je me sens heureux en tout cas. D'accord, voilà. Donc même si t'as des petits coups de boost par moment, tu te considères quand même heureux? Oui, très. Donc c'est plutôt des petits moments plutôt qu'un état constant pour toi, le bonheur? Non, justement, ces petits moments vont faire en sorte que j'ai une sécurité, comment dire, si j'ai des moments de blues ou des moments où je fais des choses qui ne me rendent pas heureux, ça prend le dessus, tous ces moments. Même si sur le moment je vais être plus joyeux, etc., je vais me rendre compte de cette chance d'être heureux dans ces petits moments, cette chance-là, je m'en rappelle tout le temps, et du coup, ça me rend heureux. Ça fait que je ne cède pas dans des moments plus difficiles. C'est dur de développer là-dessus, mais oui, c'est la chance que j'ai fait que je me sens heureux de façon constante. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui, au contraire, te rend malheureux? Justement, je pense qu'il y a des choses qui me rendent triste, mais je pense pas que c'est malheureux. Et je pense pas que j'ai des moments durs, mais vu que je suis quelqu'un d'heureux, je ne pense pas être malheureux. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Est-ce que tu t'aimes bien? Ouais, je m'aime bien. Je trouve que c'est important de bien s'aimer pour la confiance en soi, pour parler à d'autres gens, pour conseiller les gens. Si t'es pas heureux avec toi-même, ça devient tout de suite plus compliqué d'apporter quelque chose aux autres si c'est compliqué avec soi. Alors après, ça se trouve, c'est peut-être qu'un effet placebo, entre guillemets, de bien s'aimer, mais en tout cas ça marche, donc j'aime bien me sentir heureux me sentir bien avec moi-même. Je trouve que c'est important de s'aimer. Il faut pas avoir peur de dire qu'on s'aime ou ça fait pas narcissique, c'est juste un état de confiance en soi qui est agréable et qui met dans une bonne situation, je pense. D'accord. Et est-ce que tu as des exemples de moments où tu sais que tu te sens bien ou... Ouais, quand je dessine. Ouais. Beaucoup. C'est le genre d'action que je fais où je regarde pas l'heure. Et je pourrais faire ça. L'autre fois, j'ai eu l'idée de faire une nuit blanche dessin. Bon, c'est un peu bête, mais je veux dire, dans toutes mes actions, je me chronomètre. Je fais à telle heure j'arrête, à telle heure je fais ça, machin. Mais le dessin, je sais que si je peux m'y mettre sans me fixer d'heure d'arrêt. Et j'adore. Voilà. L'art, le dessin, ça apporte aussi pas mal de choses. Ça m'a permis de me sociabiliser aussi avec beaucoup de monde. Quand tu dessines dans ton coin, bizarrement, les gens ils viennent te voir souvent et ils viennent regarder, te parler, etc. Et puis, si la personne fait du dessin, ça peut très vite devenir un très bon ami. Ou c'est même comme ça que j'ai rencontré ma petite amie en parlant de dessin. Donc, ça peut jouer. Et sinon, ce qui me rend heureux dans l'art, c'est... C'est aussi de voir mes progrès, mes techniques, et être fier, c'est tellement une fierté de réussir ce qu'on a dans la tête, de trouver quelque chose, d'exprimer quelque chose, parce que c'est aussi un moyen de s'exprimer, même si à premier abord, on voit des têtes bizarres. Ça peut être aussi une façon de dire ce qu'on a sur le cœur. Donc voilà.